Salut tout le monde, c'est Kuroto, sur ton jour pour une nouvelle vidéo sur Slide 3. J'espère que vous allez bien, j'enchaîne avec l'autre épisode parce que j'avais envie. Comme d'habitude, j'enchaîne quand j'ai envie, voilà. Ordi en vatrouille et surtout parce que j'ai le temps. Donc j'en profite. Ok, alors, fallait récupérer l'ordinateur. Je pense pas que ça soit la mission finale, mais bon. C'est un peu bizarre qu'il y en ait qu'une comme ça. Enfin, voilà. Oh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Hein. Hop, alors qu'est-ce que tu me proposes? Un saphir, ok. Et je vais me faire taper aussi. Aïe. Boum! Ok, on se tire. Alors, comment je vais monter? Par là, tout simplement. Et bon, là, après, il y a de l'eau, je suppose. Ah non, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Pas le fait. Ok, donc l'autre est un connard. Il nous a complètement niqué avec à nous piquer notre voleur net. On peut même plus acheter d'amélioration et tout. Je suis déçu. Bon, de toute façon, on va vite le récupérer, à mon avis. Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas. Je sais pas. L'ordinateur du général Alors. Doit être quelque part dans le coin. Fini la discrétion. Je vais juste faire le boulot. Plus discrétion, pas de soucis, c'est mon taf. C'est mon dada. Donc où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Mais ça c'est... C'est pas l'ombre de la madame? Je sais pas. Alors où est-ce que c'est? C'est pas ça. Oh! Oh putain, il y a plein de pièces! Où est-ce qu'il faut que j'aille? Je ne comprends pas. Ah! Ah non, putain, c'est une table! Je pensais que c'était un trampoline! What the fuck? Ah! Un truc bleu là! Ah! Ah non! C'est du piratage! Son ordinateur personnel. Ça devrait être facile. Ouais, parce que c'est pas toi qui le fais vraiment, parce que c'est moi qui m'en occupe! Oui, moi je suis con, hein. Je prends pas les bons chemins directs. J'ai rien compris à la vie. Hop, merde. Ok. À mon avis, les trucs rouges, ça me fait masser. Fin du programme. Il a un avatar de défense. Ça s'aggrave. Putain. Ah. What the fuck, c'est quoi ce truc géant là? Attendez, je vais essayer de le détruire. Hop. Vite. Je vais juste essayer de le détruire parce que c'est fun. Sinon je pourrais me barrer là concrètement. Détruire code malveillant. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi à casser le... Oh putain, l'arme. Oh putain, mais c'est trop dur pour le puter. Attendez, je veux vraiment réussir. Parce que ça a l'air d'être un putain de boss. Je suis sûr que t'as un point de compétition, t'as un trophée si t'y arrives. J'ai pas eu beaucoup de trophées depuis le début, hein. C'est juste des trophées d'histoire. C'est un peu nul. Hop. Vas-y, balance. Cette fois, je te nique. Putain. Mais what? Mais putain, mais what? Je prends trop cher! Mais putain, what the fuck? Ah, c'est pas volé, hein, c'est pas volé. Hein. Et ouais, ma gueule, je vais de l'autre côté, moi. D'accord, tu savais à peu près, mais bon, voilà. Je t'ai eu quand même. En plus, c'est le vieux truc pour l'attirer, là, c'est hyper chiant. Je vais vraiment essayer de le tuer, j'aimerais trop le tuer, en fait. Vas-y, tu peux le faire. Tourne autour de lui et tout. Ça va le faire. De toute façon, on peut même pas le tuer. Oh, on l'a tué! Et ouais, ma gueule! Voilà! J'ai trouvé quelque chose. Son journal parle d'un passage secret à travers le clocher. Puis d'une promenade à travers les cieux. Ça te parle, Sly? Je vais au clocher immédiatement. Tu ferais mieux d'emmener le gourou avec toi. C'est son rayon. Ok. Bon, j'ai réussi à tuer le gros machin là. Je suis assez fier. Même si à mon avis c'est censé être facile. Ça se trouve à un moment je vais m'en taper 3 d'affilée. Enfin genre 3 en même temps plutôt. Donc sous le clocher il y a PC Chukwe. Une idée sur cette promenade à travers les cieux? C'est hallucinant.
Ah mais bien sûr, si tu dois monter sur mon dos pour maintenir la lévitation, ne te gêne pas. Je ne tiens pas à m'écraser par terre. Mais what the fuck? Ok, bon, on est un peu dans Zelda, je sais pas ce que... Oh, je sais pas ce que vous en pensez. Genre, le Zelda Twilight Princess, le temple... pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui connaissent surtout, le temple où... où t'as le bâton magique qui permet de contrôler les statues et genre... il rentre... enfin, tu l'avais fait rentrer dans une cloche. Et ça les téléporte un peu plus loin et tout, et c'était... ça me fait vachement penser à ça. Ça va, c'est pas trop dur, sauf celui-là. Parce que tu peux pas appuyer sur O pour t'accrocher. Ok, je sais pas du tout à quoi ça sert de faire tout ça. C'est une bonne question. Je sais pas du tout où on va là. Ah putain. Hop. Ah, peut-être là-haut là. Mais sérieux, tu veux pas le mettre plus loin? Ouais. Putain, c'est chelou hein. Enfin, c'est chaud. Enfin, c'est. Voilà. Je sais absolument pas quoi dire. Hop. C'est. Ouf, putain. Ah non, c'est là-bas. Oh, what? Oh putain. C'est pas facile hein, quand il n'y a pas les trucs ronds là. Encore un? Merci. Super. Ok, allez, boum. Tu vas faire quoi? Pas de problème. Repose-toi s'il le faut. Je vais continuer à chercher Tsao. Ok. Les données obtenues sont vraiment étranges. Tu veux tes lunettes à optimisation? Ouais, pourquoi pas. Sauf si c'est des lunettes 3D qui ne me servent à rien. Comme au début du let's play. Oh, what? C'est l'histoire de la vie. Wedding get away, get away. C'est quoi cette zone? Oh, il y a un boss. Ah oh bah, d'accord, c'est lui, carrément. Ah, le célèbre Sly Cooper. On dirait que toi et ton petit clan avez réussi à suivre la piste que je vous avais préparée. Mais tu vas vite te rendre compte que tu ne pourras rien sans eux. Je n'ai pas honte de compter sur mes amis. Qui a besoin d'amis quand on peut avoir des serviteurs? Qui a besoin d'affection quand on peut avoir l'obéissance? Pourquoi tenter de te convaincre alors que je peux simplement te détruire? Cette forêt sacrée a été le siège de nombreuses batailles. Mes ancêtres y écrasaient tous ceux qui s'opposaient à eux, et tu ne feras pas exception. Bentley, t'as entendu ça? Et de quoi il parle? J'ai déjà entendu parler de ce genre de champ de bataille. L'énergie des combats qui s'y sont déroulés renforce les combattants, leur permettant de voler sur de longues distances. Tu devrais pouvoir traverser l'arène en un seul saut. En plus, tu devrais sûrement pouvoir changer de direction en l'air avec ton double saut. Assez papoté, Cooper. Viens te battre et commence à rédiger ton testament. Genre... Oh, c'est génial! C'est génial. J'adore. Ah merde. Ah! Ok, donc comment faut que je fasse? Faut que j'esquive pour le moment ou. D'accord, pas comme ça. Enfin, mon but n'était pas de l'esquiver là. Ah ouais, ok! Ah, on lui fait masse dégâts, wesh! Wesh! Jamais employé cette expression de toute ma vie, presque. Hop, regarde, tu passes derrière et. Et tu le niques! D'accord, c'est un fail. Regardez, 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 regardez! Ah, j'ai raté! Ok, c'est pas facile, hein. Putain, bon, ok. On recommence, parce que là, j'ai fait n'importe quoi. La famille Cooper battue par Tsao. Notre dynastie est supérieure. Bah ouais, bien sûr, bah oui. Ok, mais si on le tue, il n'y aura plus rien à faire après. Hop, regardez, en fait, la technique, c'est... tu fais ça, tu l'esquives, et hop là. C'est bon, j'ai le truc. Hop.
Hop. Hop là. C'est grave stylé. Hop. Reviens là. Ah le bâtard. Il m'a eu. Ah il m'a eu. Hop. Oh merde. Putain, je pensais genre un peu passer sur le côté et tout. Oh, oh boum. Allez, encore une fois. Oh, oh, je vais tellement le niquer, je vais tellement le niquer. Oh oui. Sly, arrête-toi. Non. Oh putain, j'ai eu trop chaud. Hop. Non, je l'avais. Bon, c'est quand tu veux. Hein. Mais genre. Mais non. Oh. J'ai failli l'esquiver de trop, genre, en mode trop tranquille. Mais non, je l'avais, putain. Ça me rend fou. Je vais te niquer. Oh, je l'avais. C'est plus dur que tout à l'heure. Hein. Ah. Boum. Tu vas faire quoi, wesh. Bon, c'est grave stylé, mais c'est super dur en vrai. Le timing, il doit être nickel. Oh, boum. Bitch. Get out the way. Get out the way. Pourquoi tu rigoles, je t'ai buté. Reviens te battre, si t'es un homme. Ah, on descend comme ça. Bien joué, mon cher photographe. Je suis impressionné que tu aies tenu aussi longtemps. Arrête, Sao. Relâche Jin King, qu'on en finisse. Non, Jin King est mienne. Le mariage de nos lignées promet d'être glorieux. Le panda King, à l'époque, était magnifique. Avec le nom de Xiao, une nouvelle génération de King va dominer. Mais elle ne veut pas t'épouser. C'est une femme, bête comme ses pieds. Une fois que j'ai convaincu son père de se mettre à la méditation, il n'y avait plus qu'à l'accueillir. J'en ai vu pas mal des sales types dans ma vie. Et alors toi, t'es vraiment le pire. Oh, le meilleur est à venir, Cooper. Jusque-là, j'étais gentil. Mais là... Là, tu vas goûter aux arts obscurs de la famille Xiao. Qu'est-ce que c'est ton truc? Ouais, c'est sympa. Pas trop compliqué à esquiver. Je peux bien me foutre de ta gueule. Parfait. Mais je crois que j'ai tapé son bouclier et ça a pas marché. Hop. Ça va, pour l'esquive, c'est pas trop dur, je trouve. Après, pas parler trop vite non plus. Pour l'instant, je m'en sors bien. J'ai pas encore pris de coup. J'espère que si je meurs, je recommence pas tout au début. Sinon, je vais en chier sa mère. Et je vais rager comme un porc. Aïe. Mais genre, pourquoi je l'ai pas touché? Mais pourquoi parfois ça passe à travers? Je comprends pas. Mais je comprends pas comment ça m'a fait. La magie noire de la famille Xiao est imbattable. Oui, oui, oui. Alors. Oh pff, putain, j'ai eu super peur, je vous avoue, parce que parfois ils sont. Les checkpoints sont cool, mais parfois c'est pas cool. Ah, peut-être faire un. Attendez, je vais essayer un truc. Genre. Hop. Ah oui, ça marche vite fait. Hein. Je sais pas trop à quoi servent les bambous en fait. Peut-être qu'à une certaine phase de sa vie, genre ça lui fait. Genre faut le faire. Wouhou! Tu vas faire quoi? Trop de vitesse. Oh! C'est pourquoi des fois je le touche et des fois ça passe. Regardez, ça passe à travers! Mais genre, mais je comprends pas. En fait, je crois que faut le taper. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, je crois qu'il faut que je tape son bouclier. Ah, je crois que c'est ça. Moi j'essayais de passer derrière, tu vois, parce que c'est logique, tu tapes pas un bouclier pour faire des dégâts à un ennemi, je sais pas. Réfléchis. Allez, si je cassais tous les bambous, il se passerait quoi? Ah putain, je peux pas les casser. Ça se trouve, ça l'affaiblit.
C'est le mec qui... What? What the fuck? Putain, le mec sans pression quoi. Ah putain, il est trop dur ce boss. La magie noire de la famille. Oh putain, tu as déjà dit, c'est bon. Est imbattable. Mais c'est quoi ce boss de malade quoi? Putain, c'est de plus en plus dur ce jeu. Oui, mais c'est comme tous les styles en fait, à la fin c'est super dur. Enfin, genre le 4 ça allait, tu vois. Genre je trouvais que la fin elle était pas si dure que ça. Mais pourquoi ça marche et des fois pas? Je comprends pas. Putain, c'est trop dur. Ferme ta gueule. En plus, cette arène est nulle à chier. Il fait moi une attaque là. Hop. Ça va. Je m'en sors mieux que tout à l'heure, mais ça n'empêche que c'est pas facile. Je crois qu'il faut taper juste après qu'il ait donné un coup. Ou un peu avant. Je sais pas. C'est... Ça marche des fois, je comprends pas. Je comprends pas comment ça fonctionne. Attendez. Y'a pas une petite soluce? Trouver où c'est cassé à haut pour s'agir pour. Tu m'aides pas beaucoup. Oh putain. Oh putain, non, pas les âmes. Pas les abysses. Allez, ferme ta gueule. Quoi? Non, pas un dragon! Mais putain, mais il est sérieux! C'est pas déjà assez dur comme ça! Putain! Sérieux! Bah, si je grimpe au bambou, c'est parce que. Il se passe pas ce que je voudrais éviter. Mais regardez, ça lui fait toujours pas de dégâts, je comprends pas comment il fonctionne. Des fois je peux, des fois je peux pas. Peut-être le taper à un endroit précis. Putain, j'aime pas les âmes. Ah, faut peut-être passer dans l'eau. Non, pas du tout. La déception. Putain, déjà que je galère à le buter lui. Si en plus il me balance des bestioles à la gueule là. Tu vas faire quoi? Allez, ferme ta gueule. Putain, il est vraiment pas facile ce boss. Hein. Ah ta mère! Bon, c'est à ça que servaient les bambous en gros. T'as deux. What? Ça grimpe! Ça fonctionne pas à chaque fois, je comprends pas. Effectivement, tu es fort. J'admets, je l'admets. Mais qu'est-ce que t'es chiant aussi? Attendez, si je reste près des bambous, je crois qu'il fait pas ses attaques. Ah si. La déception. En fait, faut que je fasse ça. Et que je me casse. Et ouais, tu vas faire quoi contre ça? Essaye de me taper, toi. Disparais, merci. Non, pas les âmes. Les âmes, c'est le pire. Les âmes, c'est clairement le pire. Je déteste ça. Ta mère! Prends-toi ton propre dragon. C'est possible? Je pense pas. Putain, mais boss à la con, quoi. Il est super dur. Mais regardez, des fois, ça... Je comprends pas. Je comprends pas comment il fonctionne. Oh, les âmes, c'est reparti pour un tour. Je pense que si je fais ça, genre, les âmes peuvent pas me... Genre, elles disparaissent après. Ça a l'air. En fait, peut-être que si je lui donne plein de coups, d'un moment ça lui fait des dégâts. Peut-être ça aussi. Hein. Hop. Salut. Ok, les âmes, faut faire ça. Et eux, faut esquiver leurs attaques pour qu'ils disparaissent. Ok. Et boum. Pouf. Bah putain. C'est compliqué, hein. Tu as gagné ce combat, mais la guerre fait rage. Prends ton satané ordinateur, il ne te servira à rien. Jin King est à moi. Jin King est une personne, pas un objet. Je suis désolé, mon vieux, mais je vais te finir maintenant. Méfie-toi du pouvoir de Xaro. Eh, j'espère qu'on va pas le réaffronter, hein.
Putain, c'était super dur. Oh la vache. J'ai galéré. Bien, on a réussi à récupérer l'ordinateur voleur net. Mais tous les plans stockés à l'intérieur sont maintenant compromis. Le mariage est toujours en cours et Jinking est encore prisonnier. Oui, on va la libérer, mais ce n'est pas tout. Non, pour ce casse, il va vraiment falloir mettre la pression sur ce type. Il l'a pas volé. On va donc nettoyer son trésor aussi, ce qui est impossible sans le van de Murray. Malheureusement, la batterie polycellulaire n'a pas supporté la glace. Sly devra en dégoter une nouvelle. Ça va pas être du gâteau, car le général a renforcé la sécurité et il a même eu recours à la magie noire. Des dragons et des vampires sauteurs patrouillent dans les rues. Il va falloir égaliser les chances avant le mariage. Sly, toi et le panda king, allez rassembler des explosifs pour faire péter la crypte des vampires. Plus de crypte, plus de vampires. C'est la mission finale, vous pensez ça? C'est bizarre, les missions elles sont... Je sais pas en fait, j'arrive pas à savoir si c'est les missions finales ou pas, mais normalement c'est genre la dernière dans le tas, regardez. Parce que regardez. Ah putain, j'ai trois missions. Ah bah, oh, non, normalement on fait les trois missions là et après c'est la mission finale, ok. Ok, alors, voleur net. Est-ce que j'ai des sous? 250, ok. Oh, il y a un nouveau truc stylé. À 1200, qu'est-ce que c'est? Bombe en collet, provoque l'affrontement entre les ennemis à proximité. Ouh, c'est pas mal ça. Ouh, pouvoir de l'ombre, c'est quoi ça? Bon féroce, franchir de grandes distances. Oh, je veux ça. Je veux ça, voilà. Voilà, voilà. Oh, il y avait un autre truc encore là. Putain, il y a plein de nouveaux trucs. Putain. Là, là. Non, là. Réflexe de voleur. Ralentis le temps. Putain, il y a tellement de trucs que je voudrais. Bon, allez, on fait la mission de Sly et on s'arrêtera là. Ok, c'est le jour 2. Ok. Bon, au final, c'est une zone. C'est. Ouais, c'est une zone comme les autres, sauf que tu tapes un putain de boss au milieu, quoi. C'est... Et au début aussi, il y a une phase un peu chelou, mais voilà, putain. Il va falloir se calmer sur la difficulté du jeu, hein. Je galère dans cette zone. Déjà que je l'aimais pas de base parce qu'on pouvait pas. On est obligé de faire des tours et plein de tours et tout parce qu'il y a de la flotte en plein milieu. Mais en plus, les missions sont super dures. C'est génial. La zone parfaite, quoi. Je renie cette zone. Alors. En plus, il y a plein de trucs à acheter, mais je peux pas, j'ai pas assez de sous et j'ai la flemme de fouiller les gardes, ça me fait trop chier. Ah! Et une fusée de planqué pour la cérémonie! C'est une serrure standard, mais il me faudra de l'aide pour transporter les marchandises. Le Panda King est l'homme de la situation. Il est fort, il connaît les explosifs et il est capable de s'occuper de multiples adversaires. Une fois qu'on aura assez de fusées, il nous fera exploser la crypte des vampires en moins de deux. Écoute, Bentley, je sais que tu crois en lui, mais moi je fais pas confiance à ce type. On n'a pas le choix. Il est le seul à pouvoir faire ça. Je vais le chercher et lui dire de venir là. Hop, il faudra que j'aille le chercher quand même. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Il peut y aller tout seul, merde. Oh, je suis pas son chien. Voilà, Panda King, on a besoin de toi pour une mission de terrain. Sly a besoin d'aide pour voler les feux d'artifice. Bien, j'y vais de ce pas. Tu peux partir. Écoute, je dois te dire que je prends un risque avec toi. On compte tous sur toi. Je serai digne de ta confiance. Bonjour, mon vieil ami. Je vais travailler avec Sly Cooper, mais toi, tu ne feras pas partie du voyage. Imbécile! Tu as l'occasion de te venger. Il nous a humiliés, anéantis, rendus faibles. L'humiliation est une voie. Moi, j'ai choisi celle de l'humilité. L'humilité qui t'a valu ta fille! Anéanti Cooper, maintenant! Mon esprit est en pleine scission. Je ne peux rien faire tant que lui et moi ne sommes pas unis. Cooper est au centre. Sly doit vivre pour aider à sauver Jin King, pour que tu puisses vivre, pour nous apprendre l'humilité.
J'irai pour aider à sauver Jin King, mais après il va dire, ah mais après tu pourras le niquer pour que tu puisses vivre. Pour aider, on va dire. Peur et ses associés, j'aurai moins de chances de sauver Jin King. Tu crois ça? Laisse-toi envahir par la haine. Et ainsi nous sauverons Jin King avec la plus grande facilité. Pareille action va coûter des vies. Et surtout, tu risques de mettre en danger Jin King. Pour que tu puisses vivre. Sans Cooper, tu n'aurais plus personne à haïr. Et aucune raison de t'accrocher à mon esprit. Non, si tu tuais Cooper, ce serait toi qui disparaîtrais. Je prendrais ta place. Bah, pour apprendre l'humilité. Cooper m'a appris l'humilité. Nous avons tué ses parents, mais il parvient à nous faire confiance. Grâce à lui, nous réussirons à ne faire qu'un. Je n'ai aucune envie de ne faire qu'un avec mon côté faible. Tu es une rature. Je suis la force qui a fait la gloire de Panda King. Putain, mais le mec est schizo, quoi. Je suis humble. Et c'est seulement en nous alliant que nous ferons un bon père pour Jin King. Le yin et le yang. Si seule la force importait, alors Tsao serait le gendre idéal. Très bien. Cooper vivra. En fait, fallait tout répondre, je crois, non? Je sais pas. Bon, il est complètement schizophrène, le mec, c'est Gollum. C'est moi, quoi. Alors. Est-ce que je vais pouvoir jouer avec lui ou pas? N'aie crainte, Cooper. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Pareil. Je sais que ça fait un bail que t'es sorti du rang. Mais on va profiter du temps qu'on a pour te dérouiller les réflexes. Le plus important, voici comment tirer sur des objets. Centre la caméra sur une cible et maintiens la touche L1 enfoncée. Relâche pour tirer. C'est génial! Excellent! Rappelle-toi que tu peux changer de cible avec le joystick analogique pour moi. Tu as toujours été bon contre plusieurs adversaires. Maintenant, essaie de viser ces deux vampires éloignés. Ok. Genre, ça a pas tué lui. Boum. Voilà ma gueule. Pas de soucis. Quelle puissance! Il y a de quoi te réveiller à mort! Balance-leur un paquet entier! Ça devrait suffire pour les détruire! Et boum! Génial! Maintenant tu es paré à tout! Sly doit avoir fini à présent. Il va avoir besoin d'aide pour transporter les fusées! Ok. Ok, j'en ai fini avec celui-là. Tu t'occupes du matos, et moi je vais à la prochaine planque. Excellent. Je vais en faire bon usage. Oh putain. Ah, faut que je l'aide. Ok. Je vous baise. Salut. Ah, ils sont pas morts. Genre, quel moment. Tiens. Du feu! Du feu de Dieu! C'est one shot, ça c'est cool. Ta gueule. Ok, faut que j'aille là-bas. Ah non, faut pas que je l'aide. Ok, je suis pas obligé de sauver ça. Bon, l'épisode sera plus long parce que le dernier il était. Bon, d'accord, c'est parce qu'on est en pleine mission, mais. Cet épisode là sera plus long parce que. Parce que j'ai pas le choix. Parce que faut que je finisse la mission et parce que là je peux pas enchaîner parce qu'il commence à être tard un peu là, vous voyez. Hop. Ta gueule. Putain, j'arrive pas, hein. Il est stylé à jouer, mais putain, qu'est-ce que je galère! Hop!
Donc si ça plus long comme ça, ça me permettra que le dernier épisode soit rattrapé entre guillemets. Et ça me paraît un peu loin là. Mais aussi parce que j'ai pas vraiment le choix. C'était rigolo. Je suis obligé de finir cette mission parce que je ne peux pas enchaîner parce qu'il commence à être tard et demain je bosse. Et oui, j'aurai pas mon petit déj. Oh putain, il est grave loin. Hop. Je suis un peu con, j'aurais dû tout simplement aller direct sur le toit, mais j'y ai pas pensé. Boum. À ton tour. Boum. C'est génial. Ça par contre, c'est génial pour un shot comme ça par derrière. Alors. What? Ah putain, il est au-dessus. Que je peux pas monter, voilà, je préfère être là-haut. Ah bonjour, ça va, quoi de neuf, quoi de neuf, hop là. Ah mais genre, ok, je peux pas les toucher. Ok, au moins on est fixé là-dessus, je ne peux pas les toucher. T'inquiète, je gère. Où est-ce qu'ils sont? Ah putain! Ils sortent du sol, j'avais pas tilté! Boum! Mais genre, putain, en plus ils font masse dégâts! Coucou! Merde! Vas-y, meurs! Hop, voilà. À la limite, c'est plus dur de sauver ma vie à moi que de sauver Sly. Oh merde! Merde! Il y en a un derrière là. Hop! Je crois que ça va pas tuer. Si, c'est bon. Putain! Oh putain, il y en a deux. Hop! Ok, ça c'est bon. Oh bah easy! Plus qu'une planque. Tu fais du bon boulot. Et ouais ma gueule, par contre en fait le plus dur c'est d'aller à la planque. J'arrive. Tu cours trop vite Sly. Sly Cooper. J'essayais d'imiter la voix du Panga King mais j'ai pas trop réussi. Il a la voix trop grave. Oui. Encore des vampires sauteurs. Mes radars, ils sont partout. Ah génial. Ah oui, effectivement. C'est boum. Hop, tour. Hop. Il y en avait derrière aussi. Ah, ici. Normalement, là, c'est bon. Oh, putain. Merde. Il n'y a pas assez. Hop. En fait, il faut une charge. Enfin, deux, plutôt. Voilà, hop. Salut. Hop, voilà. Ok, bon ça va, ça je préfère. Ça fait un peu tower defense, c'est plus simple je trouve. Merde, y'a personne. Ici. Putain, c'est sérieux ça? Oh putain! Mais genre, tu l'as pas visé. Hop. Ensuite, il balance, hein. Moi, vas-y, enchaîne. Moi, je te nique, hein. Je suis trop fort. Je crois qu'il y en a un juste en dessous. Mais what? Attention de ne pas en allumer trop. Il t'exploserait dans le dos. Ah, d'accord, je savais pas ça. Tu fais bien de me le dire que maintenant, c'est génial. Putain, au secours! Aidez-moi! Hop. Hop. Non, genre, ça les a pas. Je pensais que ça allait tuer les deux, moi. Hop. C'est bon là. Ça, c'est toujours pas bon, quoi. Oh merde. Hop là.
C'est long là, wow. Ils y vont là. Hop. Non mais putain, genre. Oui. C'est bon là. Toujours pas. Là-bas. Ok. On fait une sacrée équipe. C'est la dernière fusée. Mets les hantas sur cette crypte et boum, fini les vampires sauteurs. Oui, ça devrait les guérir. Et ça va grouiller de vampires. Bon, je retourne à la salle du coffre. Oui, c'est ça. Le malaise, putain. Alors, où est-ce que c'était? Elle est longue cette mission, hein. En fait, ça me fait chier de faire des épisodes trop longs. Genre, tu vois, ça rattrape, mais j'aime pas ça. J'aime pas dépasser les limites que je me suis imposées. Par contre, au basket, je m'impose pas de limites. Là, j'y vais à fond. En match, c'est, y a pas de limite, non. Je continue jusqu'à ce que presque je dégueule. Genre, je m'arrête avant de dégueuler parce que je me dis, dégueuler en plein match, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans un gymnase et tout. C'est pas ouf. Mais bon, sinon je suis toujours à deux doigts de dégueuler pendant les matchs de basket parce que je me donne à fond jusqu'au bout, quoi. Sauf quand je suis en dehors. Enfin, sauf que quand je suis sorti, parce que quand je sors du terrain de basket, c'est, je peux pas me donner à fond. Les fusées que toi et Sly avez volées sont assez puissantes pour faire péter la crypte des vampires. En la détruisant, on fait le sort que Tao l'aura jeté. Ok, faut que je fasse quoi? Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse, faut que je tue les zombies. Je pense que c'est ça. Ah non, regardez, je peux viser la crypte. Regardez. Hop. Allez. Ah non, je peux pas. Je sais pas ce que je visais tout à l'heure. Hop. Il faut que je tue tous les zombies. Putain, mais sérieux, c'est trop dur. Ta mère, zombie à la con, faut que je passe. Yeah. Putain, il me colle quoi. Ah si, regardez. Là, je peux le viser. Toujours pas. Je pourrais remplir le truc un peu plus vite. Mais non, putain! Quand je les envoie. Ah, le con, je recommence en plus. Quand je les envoie sous le pont, ça marche pas. Ok, vas-y, fonce. Il charge. Hop. T'as la mission trop dure, je trouve. Genre, les zombies, ils font tellement mal que c'est hyper dur. Faut mourir, s'il vous plaît! Enfin, pas mourir sur moi s'il vous plaît aussi. Pourquoi je peux plus le viser là? Je comprends pas la logique de ce jeu. Ah c'est bon. Parce quand tu veux que tu te détruis hein. Hop, allez vas-y. Une charge complète. Et boum. Ok. Ah oh bah putain, elle était longue cette mission hein. 20 bonnes minutes je crois. Pouf. Ok. Bon bah ça c'est fait. Bon on va s'arrêter à la fin de cet épisode, épisode plus long. Cette fois je suis désolé pour ceux qui sont pas contents et je suis content pour ceux qui sont contents, voilà. Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Comme d'habitude, prochain épisode on fait la mission de Murray et de Bentley. Et après, on fera la mission finale, mais je sais
Ouais, je verrai. Je verrai. Donc j'espère que ça va plu. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.